On a reçu un email de Kishon. Il ne voit pas où est le problème. Quel est le problème? Salut, Nivek et Mi, je m'appelle Kishon et j'ai vraiment besoin de votre aide. Mon frère Alfred s'est récemment séparé d'Antonio, son petit copain de longue date. Ils ont été ensemble pendant près de 6 ans. Leur séparation est survenue de façon totalement inattendue. J'étais sous le choc. Antonio et son frère me semblaient être dans une relation durable. Ils vivaient ensemble et élevaient les 2 enfants de mon frère. La vache! Mon frère et ses enfants séjournent chez moi et ma famille. On est un peu à l'étroit et c'est assez stressant. En plus, il s'avère que mon frère cachait un gros secret. Depuis 1 an, il discute avec un type qui s'appelle Adonis. Mon frère a quitté son copain pour ce mec avec qui il n'a jamais passé d'appel visio ni même parlé au téléphone. Leur relation s'est construite sur des SMS. Je suis quasiment sûr que mon frère a ruiné sa vie pour un imposteur. J'ai prévenu mon frère que j'allais vous contacter, mais il n'a pas l'air de penser qu'il y a un problème. J'ai besoin de votre aide pour vite faire la lumière sur la situation. Depuis quand tu parles avec Adonis? Depuis octobre de l'an dernier. Je me souviens qu'Antonio et moi, on s'était disputés à son anniversaire. Alors j'ai posté un message sur Facebook et j'ai reçu un message d'Adonis qui me demandait comment j'allais. C'est là qu'on a commencé à se parler. À ton avis, est-ce qu'il y a un lien entre Adonis et une de tes connaissances? Parce qu'il faut qu'il soit ami avec toi sur Facebook pour avoir vu le message que tu as posté. Tu t'en souviendrais si tu l'avais ajouté sur Facebook? Oui, je me souviendrais l'avoir ajouté. Vous êtes amis sur Facebook? Non? D'accord. Je me demande comment il a trouvé ton compte. C'est suspect. C'est peut-être quelqu'un qui essaye depuis un moment de se rapprocher de lui et qu'il connaît. Tu lui envoies des textos tous les jours? Presque, oui. Et t'as combien de photos de lui? Environ 2 ou 3. En 1 an? Ouais. Ah, on a un résultat. Regarde ça, c'est qui ce mec? La photo vient de là. Tiens, regarde. Et je suis là genre... Ouais, je sais, je suis en retard et... Tom... Chester en Virginie. Cette page a l'air vraie. C'est lui, c'est certain. Ouais, je pense. Oh, boum, on a trouvé la photo. Je suis tellement déçue. Oh non, Alfred n'a pas besoin de ça. C'est lui le vrai mec des photos. Il s'appelle Dominique. Il est très présent sur les réseaux et il a l'air d'avoir confiance en lui. C'est pas le genre de personne à refuser de parler au téléphone ou en visio. Bon, allez, envoyons un message à Dom. C'est Niv de Catfish. On pense que quelqu'un utilise tes photos. Est-ce que tu pourrais m'appeler? On a reçu une réponse de Dom. Salut, est-ce que c'est le vrai Niv? Oui, oui, c'est lui. Oui, c'est bien moi. Ça te dirait qu'on se parle en visio? Ah, il m'appelle via Facebook. Salut. Salut. Salut, mec. Oui, je sais. Voici Kemi. Salut. C'est ma nouvelle co-animatrice. Enchantée de te rencontrer. On est en ce moment à Sanford, en Caroline du Nord, pour aider un gars qui s'appelle Alfred, qui, depuis 1 an, discute avec un mec qui prétend s'appeler Adonis et qui utilise des photos de toi. J'en déduis que ton pseudo n'est pas Adonis. Non. Est-ce que tu connais ou est-ce que tu as déjà parlé avec un Alfred qui habite à Sanford? Je connais pas ce type. D'accord. Est-ce que tu es en couple? Oui, je suis même marié. Ah, t'es marié. Félicitations. Félicitations, mais j'ai un pincement au cœur quand je pense à Alfred. Tu lui as écrit quoi? J'ai mis « Salut, je suis avec Niv. On sait que t'es pas celui que tu prétends être. On aimerait te rencontrer aussi vite que possible. » Si j'ai pas de réponse de ta part d'ici demain matin, je passerai à autre chose et tournerai la page. Ce mec-là aime vraiment se faire désirer. Bon, si t'as du nouveau, n'hésite pas à me prévenir. Et demain matin, on viendra aux nouvelles. Espérons qu'il accepte de nous rencontrer. Ouais, faisons ça. Qu'est-ce que t'as à dire? Pourquoi tu mets le catfish à ça? Je suis pas assez bien pour toi? Pourquoi t'essayes de rencontrer un inconnu? Oh, t'en sors des c***. Tu t'entends parler un peu? Tu prêtes l'oreille à des rumeurs et tu t'en prends à moi? On a été ensemble pendant 5 ans, c'est pas une relation qu'on balance pour un inconnu. Tu penses qu'à ta petite personne? Tu connais même pas ce type. Ce serait une autre histoire si tu le connaissais, mais c'est pas le cas. Tu me laisserais tomber pour un inconnu? Ah ouais, sans hésiter. C'est complètement idiot. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu passes pour un crétin. Je m'en fiche. Tu passes pour un con. Ok. T'as vraiment l'air d'un con. Et si tu trouves pas ce type, c'est parce que c'est moi, Adonis. Je suis Adonis.